Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc arrivés à la dernière étape avant l'adoption définitive de cette proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. Je sais que d'ici quelques minutes, comme ils l'ont fait en commission puis en séance, certains tenteront de rouvrir le débat sur le principe même d'ouverture à la concurrence. Je sais que les mêmes vous parleront de privatisation, d'actionnaires avides de profit, de salariés exploités, etc., etc. Ceux-là vous sortiront encore des discours convenus sur l'hypothétique disparition des services publics, mais je vous le dis, ils ne vous parleront pas de ce texte. Pourquoi ? Parce que le débat sur l'ouverture à la concurrence a été arbitré il y a 10 ans, lorsqu'un gouvernement de gauche, allié à une majorité régionale de gauche, ils oublieront sans doute de le rappeler, a négocié avec la Commission européenne cette ouverture à la concurrence après le vote de la loi ORTF en 2009. Pourquoi ? Parce que cette ouverture à la concurrence n'est en rien une privatisation, puisque le donneur d'ordre, Île-de-France Mobilité, reste une entité 100% publique. Pourquoi ? Parce que ce texte est mieux disant pour les salariés, tant en matière de conditions de travail que de garanties sociales en cas de changement d'employeur. Pourquoi enfin ? Parce que ce texte est aussi mieux disant pour les usagers qui ne risquent plus de voir l'ensemble du réseau basculer en une nuit, avec tous les enjeux en matière d'organisation et d'ajustement que cela génère. Tout cela, la gauche ne le dira pas et je le regrette profondément. Si je n'attends bien sûr rien de l'extrême gauche, dont je respecte profondément le point de vue sur le sujet, même si je suis fermement opposé, j'avoue que ma déception vient surtout des discours entendus d'une gauche qui fut un temps de gouvernement et qui n'hésite pas aujourd'hui à renier ce qu'elle a construit hier. Découvrir les oppositions aussi soudaines que mensongères de Madame Hidalgo et de ses amis sur le sujet laisse un goût amer lorsqu'on se souvient que les mêmes n'ont rien trouvé à redire quand leurs amis alors au pouvoir mettaient en place le processus qui aboutit aujourd'hui. Idem lorsqu'on les entend hurler avec les loups sur l'état des transports franciliens, alors même qu'ils ont une responsabilité immense dans les sous-investissements chroniques depuis 30 ans que nous essayons de combler aujourd'hui. Dire cela, ce n'est pas être d'extrême droite comme certains la scènent pour mieux essayer de faire oublier leur turpitude, c'est faire preuve de réalisme et prendre ses responsabilités comme nous le faisons en soutenant la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui. Car oui, je le dis et je le répète, ce texte met en place un cadre législatif optimal pour que cette ouverture à la concurrence soit une réussite. Il permet d'éviter aux agents de devoir déménager en cas de changement d'opérateur de leur ligne. Il leur offre de meilleures conditions sociales que celles prévues par la loi d'orientation des mobilités en cas de transfert. Il ouvre la possibilité pour Île-de-France Mobilité de se doter plus rapidement des compétences nécessaires à l'accomplissement de ses nouvelles missions. Il échelonne enfin sur 2 ans plutôt que sur une journée l'ouverture à la concurrence des 13 lots concernés pour des raisons que tout le monde comprendra aisément. Sur chacun de ces points, sénateurs et députés n'ont d'ailleurs eu aucune difficulté à s'entendre, tant cela relève du pragmatisme le plus élémentaire. Le seul sujet de débat en CMP, et je regrette, Monsieur Vannier, que vous n'ayez pas pris part à cette CMP, dont vous étiez membre, c'est dommage, mais il faut le constater, le seul sujet de débat donc en CMP a concerné le rôle de l'autorité de régulation des transports dans l'arbitrage des conflits éventuels entre la RATP et Île-de-France Mobilité sur le nombre de salariés à transférer. En responsabilité, et pour éviter de bloquer la CMP, les députés ont accepté de revenir à la rédaction du Sénat et donc de confier cette tâche à l'ART, malgré les alertes répétées sur son manque de compétences en matière de réseau de bus francilien et sur ses moyens limités. Je prends acte de cette décision collective, mais tiens, Monsieur le Ministre, à vous remercier pour l'oreille attentive dont vous avez su faire preuve au cours des semaines passées sur le sujet, en espérant que nous pourrons collectivement nous assurer dans les prochains mois que l'ART pourra relever l'ensemble des défis qui sont les siens et qui en font une autorité reconnue, même en dehors de nos frontières. En conclusion, je souhaitais rappeler que l'adoption de cette proposition de loi n'est pas une fin en soi. Si elle est effective, comme je l'espère, dans les prochaines minutes, le législateur aura assumé son rôle et l'État ne tardera pas à faire de même en publiant les décrets correspondants. À ce stade, et dans le respect des compétences de chacun, il reviendra à Île-de-France Mobilité de mettre tout en œuvre pour réussir cette ouverture. Certaines questions restent en suspens, notamment sur l'avenir de la régulation et de l'information du voyageur. Il est indispensable d'apporter au plus vite les réponses pour que les usagers puissent bénéficier d'un service de qualité et d'une ponctualité renforcée. C'est tout notre objectif. Je vous remercie. Je vous remercie.